ここからここまで来たから
Il est naturellement attiré par les postes d'influence et de leadership ou ses capacités pour prier. Bien que souvent de nature joviale, il n'est généralement pas très démonstratif pour montrer son amour et affection. Le désir de luxe et le confort sont particulièrement forts en lui. Le statut social est pour lui très important. Membre de votre couple supporte assez mal l'indifférence ou l'ingérence de lui. Il est regardé en certain contrôle et maîtrise des choses. Les personnes qui risquent de blesser le plus sont ceux-ci. On a deviné. Donc, comme la direction est mal, sans plus tarder, nous allons passer la parole au président de l'AMECA. Il est de la 3762. Comme vous le savez, nous avons remarqué que pendant le 62, nous avons mené pas mal d'activités culturelles. Alors, le maire censé au moins avoir quelque chose, c'est la raison pour laquelle on s'est dit qu'on doit fixer, qu'on doit tenir un vide de débat. Au moins, on aura, même si c'est moral, la population doit pouvoir s'exprimer en face de l'autorité. Et voilà, aujourd'hui, tous les autorités sont là, parmi nous, il y a le président du conseil départemental, il y a le représentant du maire, il y a le préfet, il y a le parrain de l'autorité là. Donc c'est le moment idéal pour échanger avec eux. Maintenant, pourquoi le thème, rôle et place du citoyen dans le pécal? Comme vous le savez, on parle de pécal, ça fait bientôt un an. Alors il y a des choses que peut-être la population de Kremlin n'a pas encore compris. Alors que même le parité de projet a essayé d'apporter quelques éclaircissements, donc nous allons donner la parole au conférencier qui va développer le thème. Et je demande à l'assistance de respecter le sujet, s'il vous plaît. Sur le conférencier, pour vous montrer que c'est quelqu'un qui s'y connaît bien, surtout par rapport au plan que nous allons changer aujourd'hui. Monsieur Eda, vous avez la parole. Voilà, merci beaucoup. Monsieur le président du conseil départemental de Kané, monsieur le maire de Kané, monsieur Momadou Oumar Bokoum, le parrain de cette présente édition, monsieur le président de l'AMECA, mesdames et messieurs, chers invités, chacun a son nom et qualité. Je voudrais tout d'abord adresser mes chaleureuses salutations à tous les membres de votre prestigieuse association, à vos honorables invités et à tous ceux qui, de par leur présence, témoignent de leur intérêt pour cette importante activité. Permettez-moi de faire une mention particulière pour votre parrain, Mamadou Oumar Bokoum. Très union entre votre association, le présentateur du jour et le thème lui-même. Il est en effet le point de connexion, le dénominateur commun des initiatives en faveur de l'émergence de notre cher département. Je voudrais également vous remercier du choix porté à ma modeste personne pour introduire un thème si important à l'occasion de l'édition 2016 des 72 heures de Kané, à savoir rôle du citoyen dans Kané d'émergence, enjeu et perspective. Pour ce faire, il me semble important de procéder à une sorte de mise à niveau pour partager cette notion d'émergence et en vue du sujet,
en exposant les tenants et aboutissants du plan Canet Émergent. Le chemin me semble ainsi, sera ainsi largement balisé pour explorer les rôles et responsabilités du citoyen dans la mise en œuvre de cette généreuse et noble ambition et pour en déduire les changements respectifs. Mesdames et inférieurs aux pays développés, une plus grande ouverture économique au reste du monde, des transformations structurelles et institutionnelles de grande ampleur et un fort potentiel de croissance. Si l'on en croit l'économiste ivoirien Mamadou Karamoko, consultant spécialiste des économies émergentes, le terme pays émergent a été inventé en 1981 par l'économiste néerlandais de la Société financière internationale du groupe de la Banque mondiale, Antoine van der Meer. Il s'applique ce terme-là, ce concept d'émergence, à un pays du tiers-monde qui connaît depuis plusieurs années des taux de croissance élevés, c'est ce qu'on appelle une croissance soutenue, et qui est en train d'annoncer un processus de modernisation et de rattrapage des pays développés, tout en conservant cependant des structures sociales inégalitaires et même pour partie traditionnelles. De l'avis du docteur Kenu Zouza, une économie qui se veut émergente doit reposer son développement sur trois éléments fondamentaux qu'il considère comme les piliers de l'émergence. Le premier est un système de gouvernance politique qui renvoie à une compétence institutionnelle capable d'élaborer, de mettre en œuvre et d'assurer le suivi des politiques destinées à corriger les éventuels dysfonctionnements constatés. Le second pilier, c'est une administration intègre et performante au service du citoyen sans aucune inclinaison partisane. Le troisième enjeu est une adéquation entre la formation des ressources humaines et les exigences de l'émergence. Mesdames et messieurs, chers invités, parler de l'émergence au Sénégal revient à évoquer autant soit pour le plan Sénégal émergent, qui, comme vous le savez, constitue le référentiel de la politique économique et sociale sur le moyen et long terme de notre pays. Le plan Sénégal émergent, pour vous le rappeler, repose sur trois principaux axes qui, à travers leur effet convergent et cumulatif, permettront de créer les conditions de l'émergence. Axe 1, transformation structurelle de l'économie et croissance. Axe 2, capital humain, protection sociale et développement durable. Axe 3, gouvernance, institution, pays et sécurité. Il n'est pas important de mon point de vue de revenir en détail sur ces axes. Mais nous allons noter que le président de la République, son excellence Macky Sall, tel qu'un général à la tête de ses troupes, c'est principalement une question de l'économie des finances. Et il est dans une direction importante dans le cadre effectivement du plan Sénégal émergent, parce que c'est un travail dans la direction de l'investissement. La direction de l'investissement, c'est le cœur du développement de notre pays. C'est pourquoi, parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens entendent parler de Canada émergent, mais aujourd'hui les gens ont une petite idée de ce que c'est le Canada émergent en transversal avec le plan Sénégal émergent. Il a résumé sur quatre grands points. C'est important. Le premier point du plan Canada émergent, c'est l'économie. C'est l'élément économique qu'il a dit. Donc, il ne faut pas aller à l'école, il ne faut pas se soigner. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire, comment faire pour qu'aujourd'hui, dans notre département, que les gens parviennent à manger à leur faim et que tout soit produit à l'intérieur de notre département. On a l'eau, on a le feu, on a la pluie. Ça passe effectivement, comme il a dit, par une bonne maîtrise de l'eau. Ça, c'est le premier point de la démarche. Le second point, c'est ce que j'appelle, il a appelé, le juste que j'appelle le social, l'élément social. Le social, c'est quoi? Quand on a de quoi manger, on peut songer à aller à l'école,
on peut s'engager à aller se soigner, etc., etc. Je reviendrai sur ces quatre points encore. Le quatrième élément, le troisième élément, c'est l'environnemental. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir l'économie, avoir le social, et ne pas avoir un environnement qui sied à ces deux éléments. C'est le troisième palier. Et le quatrième palier, il l'a dit, c'est vraiment la question de la gouvernance. Voici les quatre grands points qui résument globalement, aussi bien le plan Sénégal du matin, aussi bien le plan manger. Quand les gens peuvent aller à l'école, se soigner, être dans un environnement sain, mais c'est quoi? C'est la question effectivement de la gouvernance. Et dans la gouvernance, vous avez tout. La sécurité, vous avez la justice, l'égalité de tous les citoyens devant les charges publiques, etc. Et le tout est pas, comme il l'a dit, par une culture de résultat. Qu'est-ce que c'est qu'une culture de résultat? La culture de résultat, c'est quoi? C'est quand vous décidez d'être à la tête d'une administration, à la tête d'une mairie, à la tête d'un département, vous devriez vous dire que le jour qu'on m'a mis au niveau d'une commune, j'ai trouvé la commune à un temps tel, je dois l'amener à un X. Et rendre compte aux électeurs. Comme quand vous m'avez donné une commune déficitaire, une commune où il n'y a pas d'école, une commune où on ne maîtrise pas l'eau, une commune où il n'y a pas d'assainissement, vous me confiez les destinées de cette commune. Le jour que je dois rendre compte, je dois être à mesure de vous donner des résultats palpables et tangibles. C'est ça la question du résultat. En fait, vous savez qu'aujourd'hui, pour diriger l'Angleterre, vous présentez un programme en 100 points. Vous dites, voici 100 points, quand j'ai dit durant 5 ans, j'ai réalisé 100 points. Faire 5 ans ou 6 ans, 5 ans, 6 ans, c'est les experts qui vont voir de 1 à 100, est-ce que vous avez réalisé les 100 points. Si vous avez réalisé les 100 points, vous avez un second mandat. Si vous n'avez pas réalisé les 100 points, il n'y a même pas de chance de vous dégager. C'est ça la question du résultat. Mais au Sénégal, on peut avoir une commune 20 ans, 25% ans pour faire les résultats, pour vu que tu as des électeurs, des militants qui paraissent référents. Non. Aujourd'hui, dans le cadre de maintenant, c'est la question du résultat. Tu confies à un médecin, un hôpital qui doit être à mesure, au bout de 2 ans, de faire le bilan de ce qu'il a fait au niveau de ça, au niveau de l'hôpital. Un enseignant, pour lui confier 50 élèves, au bout de 2 ans, il doit être à mesure de donner des résultats. Combien d'élèves tu as eu, combien de nombre de PFM, combien d'élèves ont échoué, pourquoi les autres n'ont pas eu le PFM, c'est ça la culture du résultat, et c'est ça le phénomène, c'est ça le plan de l'argent. Et ce qu'il a voulu dire, je vous donne un exemple, le pilier central,